Avec Jean-Luc Lagarce, en fait, on s'est connus étudiants, donc quand on avait une vingtaine d'années. Et donc j'ai participé avec lui à ses spectacles, j'étais acteur dans ses mises en scène. Et puis après, je dirais qu'à partir de 90, je suis devenu aussi son assistant. On a fondé ensemble les éditions des Solitaires Intempestifs. Et puis, depuis son décès, j'ai édité l'ensemble de ses textes. Oui. L'histoire de la pièce est extrêmement simple. C'est en fait cinq femmes, donc trois sœurs, la mère et une femme plus âgée, qui attendent le fils, et le fils revient. On ne voit pas le fils. Et le fait qu'ils reviennent, en fait, du coup, elles vont parler de tout leur rapport au frère, mari. Voilà. Mais on ne voit pas le fils, donc on ne sait pas si elles inventent ou pas l'histoire. Et le fils, ce qu'elles disent en tout cas, c'est qu'il va mourir, en tout cas, ou qu'il est en train de mourir. Mais à un moment donné, on comprend qu'il est mort. Enfin, donc on ne sait pas ça. Donc ce qui est très beau, c'est que cet homme qui vient, le fils qui rentre, il est aussi le prétexte à la vie. Voilà, parce que mettre une intensité dans ce rapport au frère, à la question à l'absence, à l'amour, par exemple, cette phrase magnifique qui cite Flaubert dans le texte, qui dit « Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour ». Voilà, donc vraiment, c'est un texte magnifique sur, au fond, sur les femmes, sur la condition, sur les femmes, voilà, au sens général très large, mais aussi sur la fratrie, sur comment on aime ou pas. Après, dans la pièce elle-même, il n'y a pas beaucoup d'événements, puisqu'en fait, c'est elles qui ont créé, à travers leurs échanges, la vie du fils. Donc théâtralement, c'est aussi magnifique. C'est comment, en fait, des personnages font vivre un personnage dont on ne saura jamais rien, de plus que ce qu'elles racontent. Donc on ne sait pas si elles inventent ça ou si... voilà, parce qu'il y a beaucoup d'échanges sur le fait que chacun a sa vérité. C'est ça qui est très beau aussi. Voilà, donc chacun essaie de dire sa vérité et son rapport aux autres. Et on voit, par exemple, pour revenir à la pièce, ça veut dire que sur le théâtre de Lagarce, ce qui est magnifique, c'est que chacun aussi... Une des grandes qualités de son théâtre, c'est que c'est moins l'intime de Lagarce que l'intime du spectateur. C'est-à-dire que chaque spectateur, en fait, va ressentir ou comprendre l'histoire en fonction de son rapport aux autres ou son rapport au monde. Voilà. Donc Lagarce, il tisse aussi des liens intimes entre ses lecteurs ou ses spectateurs. Et à mon avis, c'est beaucoup plus fort que l'idée que c'est la vie de Lagarce. Il a répondu à ça, qu'il serait un peu juste pour faire une pièce de théâtre... un peu anecdotique et sans grand intérêt. C'est un des derniers textes qu'a écrit Jean-Luc Lagarce, sauf erreur de ma part, en 1994, qui était une commande de théâtre ouvert. Et c'est... donc tout ça, ça va très vite, parce que 94, on peut dire que c'est un des textes qui a reçu un accueil assez important, en fait, tout de suite, même puisqu'il y a eu une mise en espace à théâtre ouvert, à la différence de Juste la fin du monde, qui n'a eu aucun succès du tout. Voilà, qui était le grand échec qui a été écrit en 90, qui est le grand échec de la vie d'écrivain de Jean-Luc Lagarce. Et donc j'étais dans ma maison, elle a été montée juste après la mort de l'année suivante par trois metteurs en scène en France, en Suisse et en Belgique simultanément. Voilà. Moi c'est un texte que j'aime beaucoup. Et puis il se trouve que j'ai été invité à Haïti pour un festival et que... le directeur m'a dit « Ah ben, on aime beaucoup le texte, est-ce que tu voudrais rencontrer des actrices ?» Voilà. Et donc j'ai rencontré des actrices haïtiennes, formidables, et puis donc assez vite on a décidé de faire une mise en scène. Et donc on a créé le spectacle en 2018, dans le festival des Quatre Chemins, à Port-au-Prince. Voilà. Et puis pour diverses circonstances, notamment le partenaire Sécan, mais le théâtre est en travaux, donc ça s'est pas fait, etc. Et donc en fait, c'est en 2020, et donc maintenant, enfin en 2021, et maintenant au mai-juin, que le spectacle sera présenté ici, voilà, avec des actrices donc haïtiennes.